m'entendez? Oui. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue. Je prends un petit peu mon temps parce que je ne vous cache pas que j'ai un peu du mal à réaliser que ça y est, nous sommes au Forum PHP 2021, nous sommes en présentiel, nous sommes à Paris et vous êtes aujourd'hui 500 à vous apprêter à suivre une vingtaine de conférences, un marathon de conférences. Donc, j'ai un peu du mal à réaliser pour deux raisons. La première, vous vous doutez, c'est le contexte sanitaire qui rôde au-dessus de nos têtes, qui nous a pas mal fait stresser au sein de l'AFUP. Et il y a une autre chose qui nous a pas mal stressé, c'est si vous suivez le quotidien de l'AFUP et que vous êtes adhérent, vous savez peut-être qu'en début d'année, alors que généralement on a un an d'avance sur nos réservations de salles pour le forum, nous nous sommes retrouvés sans salle, notre lieu d'accueil ayant fermé pour travaux. Et il y a encore 4-5 mois, nous n'avions toujours pas signé de contrat de location. Donc autant vous dire que ça a été un semestre intense pour notre équipe, rempli de doutes, mais ça y est, tous ces mois de travail ont payé et nous sommes aujourd'hui réunis pour 2 jours de conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, et aussi avant de revenir sur le programme qui nous attend pendant ces 2 jours, j'aimerais en profiter pour dire encore une fois bravo et merci à toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont contribué à votre venue aujourd'hui et leur dédier cet événement. Le forum PHP, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pour la majorité des personnes qui sont citées sur cette slide, c'est du travail fait sur leur temps libre. Le forum PHP, c'est Amélie, c'est Cédric, c'est Adrien, c'est les Sébastien, les Mathieu, c'est Morgane, Alan, Christophe, Olivier, Gaëtan, Michael. C'est à l'instar d'Amélie qui est notre salariée, c'est que du travail fait sur du temps libre. C'est très chronophage. On a un groupe qui s'occupe de la sélection des speakers, qui vous élabore en 10 jours top chrono un programme cohérent avec notre ligne éditoriale et avec de la programmation inédite. On a de la prospection de sponsors. On n'a qu'une seule personne qui gère les gestions de nos partenariats. On a une équipe qui fait du développement web. On a aussi une équipe commerciale qui travaille sur la négociation et la recherche de salles. Généralement, globalement, là pendant ces 2 jours, c'est toutes les personnes qui porteront un t-shirt bleu. Je compte sur vous pour que vous leur exprimiez toute votre gratitude pendant ces 2 jours parce qu'ils n'ont vraiment pas eu une année facile et aujourd'hui, ils sont là pour kiffer. Le Forum PHP est un événement organisé par l'AFUP. Si vous suivez, vous savez qu'est-ce que l'AFUP. C'est l'Association française des utilisateurs de PHP. Son but principal, c'est partager la connaissance autour de PHP et de fédérer son écosystème. C'est une dizaine d'initiatives à travers la France et à travers différentes actions. C'est les cycles de conférences AFUPD au printemps et le forum PHP à l'automne. C'est le baromètre des salaires qui est actuellement en cours. Je vous invite à y répondre si vous ne l'avez pas encore fait. C'est également une quinzaine d'antennes réparties un peu partout en France qui, à leur échelle, font des petits rassemblements et des petits événements pour justement partager la connaissance autour de PHP. Nous avons un stand dans le hall. N'hésitez pas à aller croiser notre équipe pour découvrir davantage les missions sur lesquelles nous travaillons. Au programme de ces 2 jours, 28 talks. Malheureusement, j'ai une annulation de dernière minute à vous signaler. Nous avons la conférence de François Desmier prévue aujourd'hui à 16h20, Agilité at Scale, qui est annulée pour raison de santé. On souhaite un très bon rétablissement à François et on espère qu'il nous rejoindra lors d'une autre occasion. En parallèle, on a toujours la conférence d'Anne-Laure et Amélie, donc je vous invite à suivre cette conférence en attendant la conférence Alien et les mini-présentations AFUP. Au programme, sinon, on va avoir le regard tourné vers l'avenir, on va avoir un état des lieux de l'écosystème PHP, on va avoir des approches de développement et des architectures futuristes, on va aussi avoir des sujets un peu plus généralistes, mais sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux vis-à-vis de notre profession. On va avoir des conférences axées sur l'accessibilité, sur l'empreinte carbone, sur la sous-représentation des femmes dans notre secteur et dans les sciences. Et bien évidemment, un forum PHP ne serait pas un forum PHP sans qu'on parle de framework populaire ou alors de e-commerce, de qualité ou de test. Il y a également des mini-surprises au programme. Ce soir, vous pouvez partir à la découverte des backstage de l'AFUP et juste avant la conférence Alien. Demain, il y a un slideshow karaoké. Si vous n'aviez pas vu les annonces, on cherche encore quelques volontaires et si on a trop de volontaires, on fera un tirage au sort. Donc c'est demain après-midi le slideshow karaoké. Et pensez aussi à aller voir les coachs open source à côté du stand AFUP. Donc ce sont des contributeurs à des logiciels open source qui sont là pour vous guider et vous conseiller pour contribuer à ces outils. Et enfin, ne loupez pas la keynote de clôture demain soir. On vous donnera des nouvelles de l'AFUPD qui est de retour en 2022 et on vous parlera de l'avenir du forum PHP. Si vous aimez la LIGO, la nouvelle devrait normalement vous ravir, mais je n'en dirai pas plus. Pensez à noter les speakers de manière constructive. Donc vous avez un QR code qui s'affiche pour noter les conférenciers sur John Dean et vous avez dans le hall des affichettes. Elles ont été imprimées en noir et blanc, mais c'est les mêmes. Vous pouvez noter avec des petites vignettes les conférenciers à la suite de leur talk. On ne peut pas faire un discours d'ouverture sans remercier nos sponsors. Cette année, c'est inédit, on a 24 partenaires qui nous ont accompagnés dans la préparation de cet événement. Et c'est aussi grâce à leur soutien si aujourd'hui nous sommes là à vous proposer du contenu de qualité. Merci à nos sponsors or, Blackfire, YouSign, Klaxoon, Jolicode et Highway. Ce sont des sponsors qui ont chacun des démos prévues pendant les heures de midi. Je vous invite à regarder votre agenda pour voir quelles sont les démos planifiées. Il y a celle de YouSign aussi qui est prévue aujourd'hui, même si ce n'est pas indiqué. Et merci également à nos sponsors argent. Plusieurs d'entre eux ont un stand. Merci à Letiol.cop, merci à SensioLabs, merci à Igral, à Cignolia et Monsieur Biz. Merci également à Silius, à Vestir Collective, à Camping.com, à Théodo, à CCM Benchmark et Recommerce. On a notamment Silius et CCM Benchmark qui ont pour la première fois un stand AFUP au Forum PHP. Merci également à nos sponsors bronze, Globalis, Orbital, Web Develop Me, Prestaconcept, Dedi, Vanois et JL Recrutement. Vous remarquerez peut-être que dans votre sac visiteur, vous n'avez pas beaucoup de goodies cette année, c'est normal. En fait, l'AFUP et d'autres sociétés sponsors ont pris l'initiative d'allouer leur budget goodies à travers un don, soit pour la WWF, soit pour Action Protection Animale. Et à leur échelle, du coup, nos sponsors contribuent à la protection de nos mascottes en taille réelle. Nous avons l'AFUP, Dedi, YouSign et Prestaconcept qui ont chacune fait un don de 700 € à la WWF. On a aussi, de leur côté, Letiol.cop qui a fait un don de 700 € à Action Protection Animale. Encore merci à eux. Si vous avez besoin d'aide pendant ces 2 jours de conférence, cherchez les t-shirts staff ou les colliers rouges. Nous sommes là pour vous aider si vous avez le moindre souci. Je vous rappelle que cet événement est soumis à un code de conduite que je vous invite à consulter avec l'URL qui s'affiche. Le port du masque est obligatoire pour les participants avec le nez et la bouche couvertes, mais les speakers peuvent le retirer. Et si vous êtes chargé, exceptionnellement, nous n'avons pas de vestiaire pour des raisons sanitaires, mais nous avons un service de bagagerie. Et ben, c'est tout pour moi. Le forum PHP va pouvoir commencer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos impressions avec le hashtag forum PHP et à mentionner l'AFUP sur les réseaux sociaux. On va commencer avec la présentation des speakers dans cette salle et après on démarrera avec une conférence de Françoise Anninotto et de Guillaume Louillet. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.